Macron. Ça, ça vient de France. C'est de votre part pour les Russes. C'est le cadeau de Macron à Poutine. Notre bataillon s'est formé en 2014, quand la Russie a cherché à soi-disant annexer nos terres. Mais l'histoire du bataillon Arai a véritablement commencé le 24 février 2022. Entouré de ses officiers, le commandant Oleksandr est chargé de la stratégie. Les tablettes ont remplacé les cartes d'état-major et quelles que soient ses décisions, les pertes humaines, il le sait, seront importantes. Je m'inquiète toujours pour mes soldats. Après tout, ce sont mes frères d'armes. Nous avons un blessé presque chaque jour. Et nous avons un ou deux morts chaque semaine. Est-ce que quelqu'un a été tué récemment? Oui, la semaine dernière, nous avons eu un mort. C'est le 300e mort du bataillon. Pour éviter les morts, l'armée ukrainienne a besoin de matériel. Elle en manque cruellement. Nous manquons de fusils d'assaut. Les généraux m'ont dit que ces armes étaient réservées à d'autres opérations. Nous manquons aussi de munitions. À l'arrière, la guerre se vit un peu par procuration, mais de manière tout aussi intense que sur la ligne de front. Dans cette ancienne école, les femmes préparent les repas pour les soldats qui viennent se reposer. Ici, pas besoin de grande cuisine, juste des aliments qui tiennent au corps. Des pommes de terre, un peu de poulet, des boissons chaudes. Mais avant de se mettre à table, les soldats ukrainiens ont droit à un moment privilégié. Il y a beaucoup de soldats aujourd'hui. Je ne suis pas un héros de ce bataillon, mais peut-être une partie de son âme. Depuis le début de la guerre, Sergueï a troqué son costume de scène pour l'uniforme. De la pop à la chanson patriotique, il écrit sa propre histoire de guerre au service du bataillon Arai. La guerre ne se gagne pas en chansons, mais celle-ci semble aider ces femmes et ces hommes à donner un sens à leur mission. Natalia appartient à ce bataillon de soldats en cuisine. Elle ne porte pas de fusil, mais participe tout autant à l'effort de guerre. Sans elle, pas de nourriture non plus pour les hommes dans les tranchées.
Chargez les provisions. Ça, c'est pour les tranchées Bristol, Durham, Manchester.